le projet de Bread & Roses consiste à déconstruire les stéréotypes pour les métiers dits masculins, entre autres dans les métiers de la construction et des espaces verts. On a d'abord démarré avec une étude de terrain et les rencontres, un direct avec les femmes, entrepreneurs et centres de formation. L'étude de terrain montre vraiment quelles sont les craintes ou les freins. Et donc nous, à travers ce projet, on est occupé justement de voir tiens, comment on peut amener à ça, vers quoi se diriger dans la campagne de sensibilisation pour lever ces freins ou ces craintes au sein des employeurs ou des centres de formation, comment réadapter éventuellement certains modules ou certaines approches vis-à-vis des femmes dans ces métiers. Voilà 15 ans que Mode d'emploi milite en fait pour que le marché de l'emploi s'ouvre aux femmes dans les métiers dits traditionnellement masculins. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours eu la sensation que les femmes avaient leur place. Il y avait quelque chose de l'ordre du mouvement. Donc il fallait vraiment faire mouvement sur cette question et de permettre en fait d'ouvrir le champ des possibles à toutes ces femmes, d'entrer dans les métiers qui sont porteurs et qui sont aussi en pénurie. Et donc de pouvoir faire levier entre les deux aspects. Et donc il y avait un côté très changement de paradigme et un autre côté qui était de travailler sur des métiers porteurs.